Hello les potes, vous êtes en train de regarder ce qui normalement devrait être un vlog de week-end à Paris, mais pas de visite machin, week-end de travail, puisque ce week-end je vais à Paris chez Fun Radio pour travailler du coup, et travailler dans toute la France, c'est-à-dire que je vais parler sur l'antenne nationale de Fun pour que tout le monde puisse m'écouter. Et ça c'est vraiment très bien. Je vous emmène, je quitte l'appartement toulousain, direction l'aéroport de Toulouse. Faut que je me dépêche, je suis un petit peu en retard. Et voilà, je vous emmène. Petit point soirée, forcément accompagné par quelque chose qui roule. Je regarde la Super Bowl des 24 heures de Spa. Alors je vous parle, on est vendredi, du coup c'est demain les 24 heures de Spa, ça démarre à 16h30. Du coup on regarde la Super Bowl. Trop deck de pas y être, mais on va suivre ça de près. Et l'année prochaine, je vous promets que j'y serai. J'espère, c'est mon rêve. C'est trop cool, voilà. Je regarde la Super Bowl en me nourrissant. Et après au dodo. Yo les potes, on est samedi matin. Il est 5h16. Je vais y aller, je mets mes chaussures et j'y vais. La nuit était très courte. Je crois que je me suis endormie vers 1h30. Mais bon, ainsi va la vie. Voilà, je chuchote parce que du coup, c'est la nuit, les gens dorment dans l'hôtel. Je vous emmène pour une journée chez Fun Radio à Paris. Dans toute la France. C'est parti. Hello, hello, 5h41. Je suis à la radio. Il est l'heure d'imprimer sa prog, de préparer l'émission pour la prise d'antenne à 6h tout pile. Donc voilà, donc là, petite prépa, on va imprimer tout ça. C'est parti. Excusez-moi, c'est pas genre des giga cracks ici. Super drôle, les boss. J'ai mis mes lunettes pour plus de... Je vais mettre un peu de lumière, hein, dis donc. Ok, alors je viens d'imprimer ma prog ci-dessous et là je vais commencer à regarder les enchaînements qui arrivent, préparer les speaks, etc. Du coup les potes, là on part pour 6 heures d'antenne. Je crois que j'ai jamais fait aussi long. 6h midi. Première fois que je pense que je fais une aussi grosse tranche. Je fais du flux. C'est comme ce que je fais à Toulouse, sauf que là c'est dans toute la France. Donc c'est de la musique avec tous les 3-4 titres. Un petit speak pas très long, un petit peu humeur, un petit truc d'ambiance quoi. Alors j'ai de la chance puisque ce matériel là c'est exactement
alors en beaucoup plus grand et en beaucoup plus imposant, le même que celui que j'ai pour travailler à Toulouse. Donc c'est la même console, le même logiciel de diffusion, c'est un peu tout pareil. Du coup, j'arrive en connaissant, ça c'est plutôt cool. Je vais visiter le studio. Donc forcément la place de l'animateur. Et si vous écoutez Fun Radio le matin, vous reconnaissez forcément à qui sont toutes ces places. La place du chef, comme on l'appelle. Les platines DJ, là où s'installe votre DJ Fun Radio préféré. Et puis voilà quoi. Regardez, on a même les JO, incroyable ça. On peut tout faire ici, vous voyez. On peut même regarder la Formule 1, la 24 heures de Spa. Parce que n'oublions pas que c'est les 24 heures de Spa ce week-end et que je vais me faire un plaisir de les regarder. N'en doutez pas. Alors les amis, petit cours de radio. Ceci, c'est l'écran des pubs avec les deux lancements de pubs. Ça c'est toute la France, ça c'est uniquement Paris. Ici vous avez ce qu'on appelle un cartouchier avec les tranches qui sont adaptées à cet écran là pour lancer des sons. Et là on a le diffuseur ONAP comme on l'appelle, avec les tranches de diffusion ici A et B, C, D, et même J aussi. Et en dessous là, c'est plein de boutons pour connecter son téléphone, pour connecter les sampleurs dont par exemple Bruno se sert, ou alors pour connecter ceci qui est en gros quand vous appelez le standard de Fun et qu'on vous fait passer à l'antenne, vous passez d'un téléphone à ce qu'on appelle le LEA. Ça c'est l'écran pour connecter les studios, ici c'est pour vérifier les jauges, que le son il tabasse pas trop la gueule quoi. Et puis ici c'est ce qui est diffusé en direct. Donc ça c'est la diffusion, et ici on a toute la base de données de Fun avec toutes les musiques, tous les jingles, tout ça. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Bon, ici je pourrais pas vous dire tout ce que c'est. Ici on a tout le système pour la vidéo, et ici c'est pour travailler si on a des choses à faire sur certains sons, le poste standardiste. Sachez que la personne qui a inauguré ce poste de standard dans ses locaux de Fun Radio à Neuilly n'est autre que moi-même. C'était il y a peut-être 3 ans maintenant, ça date. Donc c'est le poste de standard. Donc tu as ce téléphone pour décrocher. Et c'est avec cet écran-là que tu balances dans celui-là. C'est relié pour faire passer les auditeurs à l'antenne. Ah si, j'ai oublié de vous montrer ça. Ça, alors je sais pas trop comment ça marche, mais normalement tu peux parler à plein de gens dans les meubles. Il y a plein de gens à qui parler si t'as un problème, un truc comme ça. Tu appuies sur un bouton, tu parles. Et il répond. Ici, il y a tous les réglages du son. Ici, je sais pas trop. C'est un peu des boutons compliqués après. Et ici, c'est pareil. On est sur des jauges, des trucs comme ça. Des réglages son, des réglages tranches. Et si vous n'êtes pas en vacances et que vous avez aussi envie de profiter du soleil parce qu'il pleut chez vous, j'ai la bonne solution pour vous, c'est Fun Radio Latino Session. C'est ce soir dès 17h sur Fun Radio, du son latino qui donne forcément un peu de soleil avec Alex D'Acosta au platine et Corentin au micro. Rendez-vous dès 17h pour le son en continu avec J Balvin, Shakira, juste après Calvin Harris, son nouveau morceau sur Fun Radio. Hello les potes, il est 12h53, j'ai fini l'émission pour aujourd'hui, je ne travaille plus, je regarde le GT forcément, deuxième course de GT 4 European Series, et puis cet après-midi je ne sais pas encore ce que je fais, il y a peut-être quelque chose qui se prépare pour ce soir, je vous montrerai, je ne sais pas encore ce que je fais cet après-midi, je vous tiens au courant, je me repose un peu, bisous. Bon les potes, grosse frayeur là, à Spa pendant les 24, il y a eu un gros crash mais tout le monde est ok, c'est le plus important. Je m'en vais, je vais direction Automoto la chaîne, qui commande justement les 24 heures de Spa, pour aller voir le copain Anthony Drevet, et ça c'est rudement cool, je suis trop contente, je vous emmène. En 30 secondes. Les potes, du coup, samedi soir, on voit pas, 21h13,
Je viens de rentrer, j'étais à Automoto la chaîne qui diffuse et qui commente les 24 heures de spa. Du coup c'était trop bien parce que j'étais trop deg de ne pas pouvoir être à spa, mais j'ai pu voir les commentaires et les commentateurs et commentatrices de près, donc c'était trop cool, j'ai vu la régie et tout. Trop bien, merci à Anto si tu passes par là, merci beaucoup de m'avoir fait venir. Et je passe un coucou à tout le monde. Si vous êtes là, si il vous arrive de passer ici, merci beaucoup pour votre accueil, c'était trop bien. Voilà, il est l'heure d'aller dormir. Je vais me remettre un peu les 24. Et puis demain, dernière journée, demain 6, 12 et 17, 19 sur Fun. Du coup, réveil encore à 4h. Je vous emmène encore demain et je vous dis à plus dans le bus. Samedi soir, c'est bientôt l'heure d'aller au dodo, mais on n'oublie pas de regarder les 24 heures de spa. Je suis éclatax. Demain dernière journée et après demain soir. Ah, ça zoom. Ah, mais j'appuie sur le bouton. Putain, la gogole. Je vais faire un bêtisier du... Mais des zooms, non? Ah! Après vacances, faut que j'arrête de regarder mon retour. Ça faudrait même que je l'enlève. Demain soir en vacances pendant une semaine. Ça, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai hâte. Je vais aller me coucher. Et puis, n'oubliez pas que les 24 heures de spa sont la meilleure compétition automobile du monde. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Jour 2, les potes, on est dimanche, il est 4h et quelques, il est l'heure d'aller travailler pour de nouvelles aventures, direction Fun Radio. Hello les potes, bien arrivé à la radio. En pleine émission, j'ai démarré là, il est 6h08 et regardez, je me suis mis les 24, ça je peux continuer à regarder, ça c'est cool. Du coup, petite matinée au calme. Dernières heures, enfin de la grosse dernière heure de GT à Spa et le Grand Prix de Hongrie va commencer. Je me suis installée un setup GT F1. Je suis prête. Surtout que la pluie arrive en Hongrie et la pluie est un petit peu présente à Spa aussi. Donc on est sur des courses qui s'annoncent renversantes. Et je reprends l'antenne à 17h. Préparer ma petite fiche jusqu'à 19h. Je vous dis à tout à l'heure. Ocon est en train de jouer une victoire. Je pensais pas que ça arrive aujourd'hui. Je pense que je vais mourir dans 5 minutes, mais ça va aller. Putain de sa mère. Oh l'aide. Oh non, je viens qu'il perd sa voix. Thank you.
Yo les potes, du coup, lundi matin, je clôture un peu la vidéo en retard parce que hier, entre les 6 heures de radio chez Fun plus la victoire d'Esteban, je suis rentrée chez moi claquée. Mais regardez ce que j'ai trouvé aujourd'hui. J'ai trouvé l'équipe trop contente. Mais du coup, voilà, vous avez pu voir dans le vlog un petit week-end chez Fun Radio à Paris. Et puis, je vous ai aussi mis petit bonus. J'ai filmé. Enfin, je me suis filmée pour voir ma réaction sur le dernier tour d'Esteban et la victoire et tout. Donc, je vous ai mis des petits passages, pas trop parce que c'est un peu gênant sinon. Juste ce qu'il faut pour les émotions. Et puis, voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao!